Bonjour Facebook, bienvenue sur ce live Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur qui accompagne les femmes mères de famille qui ont l'intime conviction qu'une autre vie est possible et qui ne savent pas comment s'en dépatouiller. Je voulais vous partager voilà, mon bonheur de lire le retour de Sophie que j'ai accompagnée il y a un peu plus de 3 ans. Et voilà, elle m'a envoyé un petit message pour me remercier, pour me dire combien elle avait pu réaliser des rêves. Il lui en restait un encore, et ça va venir ce que je lui ai dit. Voilà, un petit peu de patience, peut-être un petit peu de travail, il y a peut-être des choses à voir. Mais voilà, enfin, moi c'est vraiment ce que je kiffe, quoi. Vraiment, quand je vois les personnes que j'accompagne qui peuvent réaliser leurs rêves, que ce soit des petits rêves, que ce soit des rêves plus grands, parce qu'en général, ce qui se passe, c'est quand on commence avec un petit rêve réalisé, on prend confiance, on se dit « Ah ouais, chouette, ça marche en fait, je peux réaliser mes rêves. » Et puis, bah, comme ça, on en fait des plus grands. Et ça, c'est juste génial parce que plus on avance dans la vie, moi j'en ai réalisé plein, donc je vais vous en partager hein, ce matin. Je vous en ai partagé un, là, celui de mon histoire de thalasso. Il y en a plein d'autres et je vais vous les partager au fur et à mesure. Et moi, c'est vraiment mon bonheur. C'est vraiment mon bonheur d'avoir réalisé les miens et puis de vous accompagner à réaliser les vôtres. Parce qu'on a tous toutes des rêves qui sont un petit peu cachés, qui sont enfouis. Et voilà, je m'adresse surtout aux mamans qui ont des enfants, les femmes qui ont des enfants, qui peuvent être justement dans cette phase d'épuisement où j'ai été et qui en sont un peu sortis quand même sur le côté physique, matériel, tout ça, mais qui n'arrivent pas encore à vraiment se dire waouh, ça je peux le faire. Et même si c'est des petits pas, et ben c'est par des petits pas que l'on commence. Des fois on fait des toutes petites avancées et après les toutes petites avancées, ça donne, une fois que le résultat est fait, ça donne l'impulsion pour aller plus loin, ça donne l'envie d'aller plus loin. Et surtout, eh ben, on peut réaliser de plus grands rêves. Et là, ce matin, pour commencer ma journée, j'ai écouté une vidéo, je vais vous la partager. Après, ça match avec vous ou ça match pas, il n'y a pas de souci, c'est ok. De Mélanie Anne Lawyer, coucou, je vois qu'il y a un petit œil qui arrive, bienvenue, de Mélanie Anne Lawyer, qui est une des mentors avec laquelle j'ai un petit peu travaillé, qui est incroyable, enfin voilà, elle ouvre un monde pour les femmes, donc elle ouvre du côté anglophone, elle est québécoise, donc elle parle français, donc il y a une partie de ses choses qui sont en français, mais là c'est en anglais, et elle ouvre un nouveau monde, Qui est juste stupéfiant. Voilà, je vous en parle de temps en temps. C'est un truc de malade, littéralement, pour les personnes. Quand j'ai partagé ça l'autre jour un tout petit peu avec mes collègues du boulot, ils m'ont regardé en disant, mais c'est pas possible, quoi. Un truc comme ça, ça n'existe pas. Bon, c'est pas grave, et c'est ok. Elles sont pas sur la même planète, et peut-être qu'elles y viendront ou pas, et puis c'est pas grave. Voilà, moi en tout cas je suis super contente d'être justement dans cette planète où on réalise nos rêves. Je viens de passer 1h30, même 1h40, 45 avec Nikki, ma coach, mentor, qui nous accompagne avec mes collègues, les Nikki Jet, super tribu des Nikki Jet. On développe une façon de faire, une façon de travailler qui est complètement différente de ce que j'avais appris. C'est, ouais, ça demande un gros stretch, ça demande de remettre en question tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu mettre en place aussi. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est ok. Et de toute façon, comme c'est pour rêver encore plus grand et réaliser nos rêves encore plus grands. Coucou Martine, bienvenue sur le live. Donc comme c'est pour réaliser encore nos rêves encore plus grands, encore plus puissants, avec encore plus de bonheur, avec encore plus de joie, etc. Bah ouais, c'est ok quoi. Donc bon Martine, je sais que tu connais la joie parce que voilà, j'ai été avec ton travail de rigologie, ça permet de débloquer. Voilà, je l'avais fait avec Claudine, j'ai pas eu l'occasion de le faire avec toi, mais je l'avais fait avec Claudine, ta collègue. Et c'est vrai que c'est super génial de débloquer cette capacité que l'on a à avoir de la joie, à rire.
J'avais fait découvrir ça, mon chéri aussi l'avait beaucoup aimé. On avait bien joué un après-midi avec Sylvie à sucer sur herbe. Voilà. Donc, voilà, c'était ce live pour vous partager mon bonheur de voir les personnes que j'ai accompagnées réaliser, continuer de réaliser leurs rêves, même 3 ans après. Donc voilà, c'est super top. Et maintenant, et ben, je vais aller déjeuner et aller enchaîner sur ma seconde journée d'activité avec conseillère clientèle, les clients que je vais accompagner, à qui je vais donner du bonheur et de la joie, même s'ils viennent de se faire un crash en voiture, qu'ils viennent de casser leur auto ou de se la faire casser, ce qui n'est pas toujours très agréable. Mais c'est vrai que c'est aussi mon bonheur tous les jours de le faire pour l'instant, avant de switcher complètement sur autre chose. Voilà, allez, bye, bonne journée, à très bientôt.